Alors, petit focus sur la, la pépinière de la forêt nourricière. Donc on va voir quelques, quelques plantes super intéressantes pour faire des jardins-forêts et pour, pour pouvoir faire de la culture multi-étagée en climat tempéré. Donc là, vous voyez toute une, toute une collection de, de vignes euh, qui sont toutes résistantes aux maladies. Donc on voit bien que les, les feuillages sont complètement indemnes de, de mildiou, de tavelure, des rhinoses. Euh, enfin, oui, la tavelure elle touche pas beaucoup le raisin, mais de pourriture grise, donc de botrytis. Il euh, y a des variétés qui sont euh, sans pépins, très précoces, donc vraiment des raisins de table très très intéressants, autant pour la production professionnelle que pour, euh, que pour les amateurs. Alors là, tout ça c'est des, des framboisiers grimpants, donc. Euh, Certains ont des épines comme Thaiberry, d'autres n'ont pas d'épines comme Buckingham ou Loganberry. Donc ça c'est très très intéressant pour étaler les productions, pour pouvoir tresser dans les pruniers, les pommiers, les, les petits arbres, enfin essentiellement tous les arbres qui vont être nanisés. Alors là ici on voit des ronces euh, qui euh, sont épineuses. Euh, mais qui sont assez exceptionnelles parce qu'elles donnent des murs euh, très, de très gros calibre. Donc, c'est de la mur cultivée. Et surtout, elles sont remontantes. Elles donnent deux fois dans la saison, ce qui est assez, euh, ce qui est assez unique. Il n'y a, a que quelques variétés en, en Europe de ronces remontantes. Euh, là, ici, vous voyez du gingembre euh, myoga. C'est euh, un gingembre vivace qui, euh, qui est rustique à moins, moins 12, moins 15. Donc, là, par exemple, l'hiver dernier, ça a pris des gelées de moins 7 euh, en pot. Et euh, pendant presque une semaine, on a eu moins 7 et il a très très bien tenu. À côté, vous pouvez voir des figuiers. Donc ça c'est des, des variétés de figues en fait que j'ai récupérées au, au long des années, au long des glanages. J'en ai quatre variétés. C'est des, des variétés de figues qui sont dites bifères, donc qui donnent deux fois, et qui sont très très précoces. Euh, donc ça permet dans n'importe quelle région de France d'avoir au moins une volée de figues, les, les premières, les figues fleurs, sachant que euh, ben, très souvent dans la région, je vois des figuiers, donc là on est en région angevine, euh, je vois des figuiers qui sont unifères et tardifs, donc ça c'est bien si on habite à Marseille ou dans le sud de la France, mais pour la région angevine, ben, ça nous donne des figues très tardives. Là ici vous voyez du sarrasin vivace de l'Himalaya, donc ça permet à la fois d'avoir... Euh, Enfin, c'est surtout le feuillage qu'on va manger en épinard. Hein. Le, le sarrasin en lui-même, euh, enfin, la graine ne va pas être euh, très intéressante et puis c'est pas assez productif. Alors là, ce qu'on voit, c'est du haricot patate des Indiens, la Pios tuberosa. Et c'est une variété assez exceptionnelle qui s'appelle la variété Nuti. Il y a Princinea euh, et je sais plus ce que c'est, la troisième. Donc euh, normalement, le haricot patate, ça donne des petites euh, patates qui ont à peu près ce diamètre-là, des fois un peu plus grosses. Et là, on arrive à des tubercules qui peuvent être, euh, bah voilà, plus gros que mon poing, quoi. Euh, donc très très intéressant pour la permaculture. Ça donne à la fois des, des tubercules dans le sol et dans les régions plus chaudes, parce qu'ici les haricots n'arriveront pas à maturité, mais dans les régions plus chaudes, ça donne des haricots en, en hauteur. Donc ça, c'est une super plante de sous-bois qu'on peut associer au kiwi, qu'on peut associer à beaucoup de... Beaucoup de plantes, c'est vraiment une plante d'ombre. Là, on voit, on est bien en dessous le cerisier. C'est pas du tout à mettre en plein soleil. Euh... Donc, on continue. Ça, c'est du yacon, de la poire de terre. Euh, donc, pareil, une plante vivace qui est très résistante au froid. Enfin, ça, là, c'est un figuier que je touche, mais cette plante-là, là, là c'est du yacon, la poire de terre. Ici, des oca du Pérou. Ça, c'est des. Euh, euh, des. Euh topinambours et liantis, donc c'est les topinambours fuseaux qui sont longs et qu'on peut éplucher comme des carottes qui sont euh, très intéressantes par rapport aux autres topinambours parce qu'ils sont pénibles à éplucher Alors là un petit peu partout c'est divers semis, hein, de l'igname de chine, euh, du, euh, de la ciboule de chine, du lupin euh, de la consoude naine. Donc, ça, la consoude naine, c'est ce qui permet de pouvoir vraiment faire des, des couvres sols. J'ai déjà fait des vidéos, euh, vous pouvez voir sur YouTube, où je les mets en association avec des framboisiers. Et c'est vraiment très, très intéressant. Là, on va voir aussi, je les ai mis en couvre-sol en fait, euh, pour faire une haie mitoyenne de, de noisetiers, en fait. Hein. Tout ça, c'est des noisetiers qui, à terme, vont pousser, sont taillés aux taille haies. Et, euh, et donneront, à la fois, ça va faire une haie mitoyenne qui donnera des noisettes tous les ans. Et de façon à ne pas avoir d'enherbement au pied, donc on voit bien, hein, ça, ça étouffe quasiment tout, à part quelques ronces qu'on voit ici. Il n'y a pas d'herbe qui pousse. Euh, on voit bien. Et ici, l'année dernière, c'était bourré d'orties. Ça arrive même à avoir les orties. Alors là, on voit en fait euh, les tests. Donc, ça, c'est les tests de phytosociologie que vous avez pu voir l'année dernière. Cette année, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Euh, mais elles sont toujours là. Je pense, euh, j'espère d'ici cet automne pr pouvoir prendre le temps de vous montrer. Donc, bah, on voit bien hein, la compétition la ortie euh, consoude et la consoude gagne de mois en mois euh, depuis l'année. Donc, euh, j'avais mis juste une toute petite bouture de consoude qui s'est complètement fait envahir par l'ortie. Et, euh, et là, à mon avis, d'ici l'année prochaine et deux ans, il y aura plus d'ortie. Elle sera complètement euh, étouffée par. Euh... Par la consoude naine donc c'est une plante très très intéressante c'est symphytum grandiflorum Alors, on continue ça c'est des semis de Nashi. Euh, donc c'est une poire de euh, c'est une variété de poire qui ressemble aux pommes qui est vraiment curieuse ça c'est des morus alba donc c'est pouvoir greffer dessus euh, des morus macroura euh, donc macroura c'est les grosses murs là que j'ai déjà montré sur youtube ça fait des murs qui sont comme mon doigt, en fait, sachant que d'habitude, une mûre, c'est grand comme ça, et ça fait quoi 5 mm de diamètre. Ça, c'est des semis de février d'Amérique aussi, euh, ça fait des haricots de 50 cm. Bon, c'est plus intéressant pour les animaux que pour nous, mais en cas de survie, en cas de guerre, <laughs> on en aurait. Donc là, de la coriandre vivace, du kénopode euh, euh, Bon Henri. Ça, c'est des variétés de cassis qui ont été créées par les oiseaux. Euh... Là ici du canopot de fraise, du cresson vivace des jardins, du fenouil bronze. Là c'est des semis de passiflore incarnata donc, euh, qui vont me permettre d'avoir des fruits de la passion dans la, dans la région sous serre. Toute cette partie-là de la pépinière, c'est les pommiers du Kazakhstan. Donc c'est des recherches que je fais depuis 6 ans, maintenant 7 ans, euh, pour essayer de créer des variétés. Euh, pour les jardins forêts et donc ben là cette année euh, j'en ai un qui m'a donné ses premières pommes donc c'est déjà le troisième en fait qui me donne euh... et là on voit on est euh, mi-septembre et euh, les pommes sont très très dures elles sont pas tombées elles sont en train de rougir donc ce qui est génial parce que c'est souvent que les pommiers du Kazakhstan donnent des variétés très précoces qui deviennent farineuses très très vite et là on voit qu'elles sont indemnes de maladies que la plante est très saine malgré le fait qu'elle vit en pot Sachant qu'en peau, en général, les, les plantes j'observe qu'elles sont beaucoup beaucoup plus malades en peau qu'en pleine terre, parce qu'elles n'ont pas les symbioses mycorhiziennes qui sont indispensables. Alors ça c'est un autre arbre aussi qui est intéressant, euh, Tuna Cedrella Sinensis, donc on l appelle l'arbre sui Et euh, en fait son feuillage est comestible et a vraiment un goût. Donc pour ceux qui connaissent la sauce chop suisse, c'est un, une sauce asiatique. Donc ça a un goût un peu citronné, avec une saveur d'ail et de curry. Et donc on coupe juste ça, on met ça dans les plats et ça parfume les plats. Au pied qui grimpe autour, c'est l'igname de Chine. Donc c'est un igname qui est rustique à moins 20, qu on... donc qui nous permet d'avoir des, des racines d'igname un peu n'importe où dans le monde. Euh, en association, dans tous les pots, j'ai mis des lupins, donc ça permet de fixer l'azote. Et puis d'attirer des insectes pollinisateurs intéressants. Là, ce qu'on voit, c'est du cyclanthe, le cornichon sauteur. Donc, j'en ai montré souvent dans les vidéos, dans les fruitières. C'est une plante qui se resème tout seul. Et là, ça fait des années, en fait, que euh, voilà, chaque année, ça fait des fruits, ils éclatent, les graines retombent dans les pots et ça repousse. Et donc, ça, ça a un goût de concombre. Euh, on les coupe à peu près à ce stade-là. Euh, enfin, C'est à ce stade-là qu'ils sont, qui sont intéressants parce que les graines ne sont pas encore ligneuses dedans. Et donc on peut mettre ça dans les, dans des, soit dans des plats directement, soit de les mettre dans du vinaigre comme les cornichons. Et là on voit au stade adulte, enfin au stade mature. Euh, et donc ben, on va voir comment ça se propage. Donc je vais juste presser. Toc. Là ça a sauté. Bon, les graines là du coup sont parties sur la bâche. On en voit d'autres ici. Hop, toc. Voilà les graines qui sont propulsées par ce petit bras là en fait, hein, et qui va tirer les graines un, un peu partout. Donc ça, c'est faut faire attention. Mettez pas ça en zone humide parce qu'autrement vous vous risquez d'en retrouver euh, bah, dans toute la zone humide. Et puis ça, ça peut suivre la rivière sur des dizaines de kilomètres. Donc euh, faites bien attention. Euh. Alors là sur les pommiers du Kazakhstan c'est assez étonnant c'est que j'en je vois, vois quand même certains qui sont très sensibles à l'oïdium, qui sont très sensibles à, à des maladies auxquelles des porte-greffes ne sont pas sensibles. Euh, donc c'est pas forcément parce que c'est des pommiers du Kazakhstan que, que, que ça a un intérêt. Donc les pommiers du Kazakhstan, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez voir le film de Catherine Pex aux origines de la pomme. Euh, c'est les pommiers originels en fait, hein, c'est le pommier du jardin d'Éden. On si tant est que le jardin d'Éden ait existé un jour, parce que, apparemment, la, la religion chrétienne est née plutôt dans le bassin de, du Tigre et de l'Euphrate, euh, en e... enfin, voilà, l'Égypte, la Nubie, euh, et il semblerait que la pomme du jardin d'Éden, ce soit plutôt une figue. Euh, mais si tant est que ça a été une pomme, euh, si la pomme était le fruit défendu, euh, il vient du Kazakhstan, c'est au Kazakhstan que se sont créées les premières variétés de pommes à couteau. Et c'est super bien expliqué dans, dans le film de Catherine Peck. En fait, c'est la, la sélection des ours, la sélection des animaux qui, euh, cherchant les fruits les plus gros, les plus sucrés, euh, sachant que si c'était que les oiseaux qui les avaient sélectionnés, on aurait toujours des toutes petites pommes comme les Floribonda. Et c'est parce que les ours font de la graisse tous les ans et sans pifre de pommes, allant d'année en année. Euh, toujours aux pommiers qui sont les plus sucrés et les plus grosses, ils ont fait une sélection euh, naturelle en fait, euh, qui, euh, qui a fait que les pommes sont devenues euh, de plus en plus grosses et de plus en plus sucrées au long des siècles. Euh, et c'est le fait que euh, nous, on ait sélectionné ces pommiers depuis euh, l'époque euh, de Sumer. Donc, euh, à l'époque de Sumer, on avait quoi On avait une vingtaine de variétés de pommes qui étaient venues par les. Bon, les ancêtres des Ziganes hein, qui, qui partaient de la Méditerranée, qui faisaient le tour de la Méditerranée, allaient jusque l'Inde et puis revenaient jusqu'à la Bretagne. Euh, et c'est eux qui ont diffusé les premières variétés de pommes en, en Europe. Et, euh, et c'est la sélection de ces variétés de pommes qui a permis d'avoir la pomme golden, euh, une des pommes les plus malades, pas résistantes. Et ce qui est assez intéressant, c'est de... Euh, de voir ce qu'on a fait, pourquoi on, on est arrivé à des pommes complètement dégénérées, malades, qui ne peuvent pas survivre sans nos pesticides et nos traitements. C'est tout simplement parce qu'on euh, a cherché les pommiers les plus petits, avoir des pommes à portée de main, ça ne nous intéresse pas d'avoir des pommiers qui font 30 mètres de haut. Et vous verrez dans le film de Catherine Pex qui peuvent facilement faire 30 mètres de haut, c'est juste une question de temps. Euh, donc on a sélectionné les pommiers pour qu'ils soient de plus en plus nains, de plus en plus bas. Ensuite on a sélectionné les pommes pour qu'elles soient de plus en plus tardives. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est intéressant d'avoir des pommes de garde qu'on peut mettre au frigo et qui se gardent le plus longtemps possible. Euh, et simplement par cette sélection, eh ben, on a retiré toutes les gènes de résistance des pommiers. Qui, euh, euh, qui euh, en gros, ben, quand on a fait la sélection dans les pommiers du Kazakhstan, il y a un chercheur, John Galiev, qui a sélectionné des milliers de variétés. Euh, et quand il a appliqué notre sélection moderne, donc il a cherché dans les pommiers du Kazakhstan les plus petits, les plus tardifs, avec les pommes les plus sucrées, qui se gardaient le plus longtemps. Et il s'est aperçu que c'est ceux qui avaient le moins de gènes de résistance aux maladies, que c'était les plus malades. Et donc il suffit juste que pendant 2 ou 3 000 ans, chaque génération cherche la pomme du jardin d'Éden avec les mêmes critères, et petit à petit on nettoie l'arbre de tous ses gènes de résistance, sachant que c'est bien connu en arboriculture que les plantes les plus résistantes sont les plantes les plus vigoureuses, qui poussent le plus vite, euh, qui sont les plus, les plus fortes, entre guillemets. Et voir même que ces pommiers qui sont faits pour résister à des températures de moins, moins 40, moins 50 en hiver, hein, sur, le couteau, sur les, les contreforts de l'Himalaya, ils, ils sont vraiment à la rude. Euh, et donc entre l'été où il fait très très chaud, l'hiver où il fait très très froid, quand, ils se retrouvent, euh, quand les gènes qui ont été créés dans ce contexte se retrouvent en Bretagne sur des pommes bio cultivées industriellement, ben, euh, le gène n'est pas vraiment à sa place. Et donc, naturellement, les, les maladies vont réussir à contourner ce gène. Et, euh, et c'est déjà, déjà ce qui se passe, pas forcément pour les gènes de pommiers du Kazakhstan, mais pour tous les gènes résistants qu'on a réussi à inclure dans les pommes, comme Pilote, euh, Ariane, euh, qui est, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a, enfin, il y en a une, une bonne vingtaine, de, une bonne, même une bonne cinquantaine maintenant, euh, de pommes cultivées en bio qui sont dites euh, résistantes, mais qui, dans les faits, pour avoir le témoignage de pas mal de copains arboriculteurs bio qui, dans les faits, ne sont pas résistants. Voilà, ben, j'espère que l'année prochaine, il y en aura plus qui vont. Qui vont donner, que je pourrais vous montrer différents euh, différentes types de pommes. Vous pouvez voir déjà euh, une vidéo sur le premier qui a donné qui, qui donne des petites pommes comme ça et qui ont une chair rouge à l'intérieur. C'est assez, assez marrant, c'est assez curieux. Et euh, ça a été démontré en fait que quand la chair est rouge, à la fois la peau et la chair à l'intérieur, c'est qu'il y a des anthocyanes qui sont très riches en antioxydants. En antioxydants. Donc euh, bien meilleur pour la santé que, que des pommes normales. Voilà, bah je, pourrais, je pourrais y passer trois heures hein, parce qu'il y, y a plein de plantes on, sur lesquelles je pourrais m'attarder. Là, on voit un, un kaki midder, euh, non pas midder, c'est euh, pieper, donc c'est le kaki Diospiros virginiana, résistant un peu à toutes les maladies euh, et surtout résistant au froid un kaki de, qui vient d'amérique et qui est très 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 résistant euh, et qui permet d'avoir euh, bah, des kakis un petit peu dans n'importe quelle région du monde. là c'est des kiwis c'est tout un tas de semis de re des recherches que, que je fais sur les kiwis euh, pour essayer de créer des variétés de kiwis qui soient plus grosses. donc c'est des kiwis c'est des, des kiwis qui n'ont pas de poils et donc on mange avec la peau comme les raisins qui sont plus parfumées, plus sucrées. Euh, et donc bah, vous pouvez voir, j'ai déjà fait des vidéos dans la e 2 et la A3 à Campbell, où, euh, où je montre des variétés un peu exceptionnelles, comme Viti Kiwi ou Kukua. Donc des variétés très précoces, sans pépins, euh, et donc qui sont très intéressantes pour faire nos petits jardins de paradis. Voilà, bah, suite, euh, suite au prochain épisode.